bienvenue à tous pour cette 14e édition de Xylophile. C'est vraiment encore un grand cru déplacé qui aurait dû avoir lieu en 2020, hein, putain de Covid. Et donc qu'on avait redécalé en mai 2021 et pour le redécaler en juillet 2021. Donc à chaque fois, pâte à bois sur l'affiche et tout, tout réorganisé. Enfin bon, on est là, c'est bien. Alors bon, on va commencer par les remerciements aux officiels, on va faire ça vite. Ils sont pas là. Le discours n'est pas linéaire et conventionnel, cependant il est attachant et toujours empreint d'une grande camaraderie, d'une grande émotion, d'un amour du partage avec les artistes, et c'est ce qui nous plaît dans cette belle aventure. Bravo et merci Jean-Marc pour toutes ces ondes positives. Jean-Marc remerciait l'ensemble des collaborateurs, des artistes et les partenaires qui ont permis la réussite de cette édition 2021. Il annonçait que ce serait maintenant une biennale. Ça marque le passage en biennale. Hein, donc la prochaine édition, ça sera en 2023. Bah, parce que le problème, c'est qu'il y a toujours plein de monde pendant le festival. Je m'inquiète jamais par rapport aux coups de main, aux aides, même des gens qui arrivent, qui ne sont jamais venus, ils se proposent pour aider. Mais le problème, c'est que pour installer et pour désinstaller, il y a l'artiste invité, une artiste de Paris qui est venue depuis lundi. Enfin bon, on n'est pas assez. Puis bon, il y a quand même d'autres, mais... Les spectateurs étaient inquiets de cette annonce. Mais pour les soulager, il annonçait aussi la création d'un prochain atelier sur la commune de Saint-André-les-Alpes. Une inauguration devrait avoir lieu en août chez son amie Cécile Nicolino. Chacun était heureux et enthousiaste de ce futur lieu de retrouvailles pour la gravure sur bois. On est en train d'installer, et ça va être bientôt inauguré, un atelier à Saint-André qui va fonctionner à l'année, où il y aura des ateliers à l'année, enfants, adultes, des stages de temps en temps d'un week-end, des fois des résidences, des initiations à typo, enfin, puis ça sera des petits, tout petits xylophiles quelque part un peu. Et puis bon, il y aura aussi un mini xylophile en septembre, s'il n'y a pas de problème avec cette pandémie, là, enfin voilà, c'est un peu loin, sous Briançon. Et qu'on monte à Saint-André, hein, c'est Cécile qui, ça fait 10 ans qu'on cherche un local, et elle a dit, mais pourquoi on ne ferait pas au rez-de-chaussée de ma villa. Et elle a fait un boulot dingue pour faire que ça soit un lieu agréable et tout. Et c'est vraiment bravo, quoi. Hein. Puis elle nous a fait un... Bravo, elle nous a fait une soupe au pistou avant le lit, elle n'arrête pas de nous nourrir, enfin voilà, avec un bon d'aide. Elise qui va vous présenter un peu quand même son travail qui est remarquable. Enfin voilà. Merci Jean-Marc. Merci beaucoup. Ben voilà, moi si j'ai un remerciement en premier à faire, c'est pour toi. Bon, arrête. Ben oui, tu as un petit coup. Donc Jean-Marc m'a appelé il y a 2 ans et demi, à peu près, enfin 2 ans, me demandant tout timidement si je voulais bien accepter de venir à Xylophile. Et bah évidemment en fait, j'attendais que ça. Moi je suivais un petit peu, je voyais sur internet les créations xylophiles, et Jean-Marc me présente les choses comme une utopie, et c'est sûr que les photos et le principe de l'événement me semblaient un endroit hors du temps et hors du fonctionnement normal de tout le monde de la culture. Ça paraissait tellement magique, en fait, de voir tous ces gens en train de graver autour des tables et voilà, le principe aussi de venir exposer, mais surtout de créer quelque chose, d'avoir la possibilité d'éditer un livre d'artiste juste avant le festival, c'était quand même assez une chance énorme. Donc évidemment, j'ai accepté avec beaucoup d'honneur, j'étais très 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 flattée. Et donc voilà, merci Jean-Marc.
Moi aussi, je suis très émue. Donc, pour parler de cette création un petit peu, et puis après, ce sera peut-être le moyen d'embrayer pour parler de ce que je présente. En effet, pour moi, la gravure sur bois, c'est relativement récent. Ça fait quelques années. Je fais la gravure depuis des années, mais j'étais plus sur la gravure en taille douce. Donc, c'est un petit peu l'inverse. On grave le creux, on imprime le creux. En gravure sur bois, on imprime le relief. Et ce qui est génial, c'est qu'ici, j'ai pas tellement besoin d'expliquer comment ça marche, parce que tout le monde y a touché un petit peu. Donc, c'est vraiment un bon moyen de pouvoir rentrer en relation aussi autour de la pratique. Parce que finalement, la plupart des expositions, bah, y en a un qui a travaillé, c'est l'artiste qui montre son travail, et les gens, finalement, ne... peuvent voir les choses, mais en restant très extérieurs. Et là, je pense que le fait de soi-même s'essayer à la pratique, ça permet de vraiment saisir quelque chose de plus profond de ce qu'on voit, de comprendre comment c'est fait et qu'est-ce que ça implique, en fait, de creuser une matière et ensuite de l'imprimer. Et moi, je dois dire que ce travail de gravure, finalement, les images qu'on voit... C'est vraiment le résultat de la technique elle-même. Si je dessine, je ne fais pas du tout ça. C'est vraiment le fait de devoir réfléchir à cette alternance de noir et de blanc, travailler par contraste et aussi la forme des outils qui laisse une empreinte qui crée les blancs de l'image, qui crée des taches blanches. Dans le noir, puisque quelque part, si on imprimait au départ, on aurait du noir, et on fait venir progressivement la lumière. Cette apparition progressive par les outils qui ont cette forme et cette façon d'attaquer, c'est ça qui a créé mon type d'image, en fait. Je faisais pas du tout des choses comme ça quand je dessinais ou quand je travaillais en gravure en taille douce. Donc, dans cette salle, j'ai voulu montrer du portrait. C'est vraiment l'aboutissement récent, disons, de mes recherches. Il y avait toujours dans mon travail de la personne humaine, des humains, des corps humains, présence humaine en tout cas. Et petit à petit, ça s'est centré sur le visage. En fait, le visage, c'est le point focal de l'image, mais en définissant peu, mais suffisamment pour qu'on puisse lire qu'il s'agit d'un visage, en laissant une grande partie dans l'incertitude, dans le noir, dans le flou, en mangeant petit à petit la matière autour ou dedans, en le faisant traverser de toutes sortes de choses, de toutes sortes d'éléments qui font penser à des choses organiques, que ce soit du liquide, du vent, des nuages, des matières un peu indéfinissables, du végétal qui croît, qui pénètre, qui sort. Enfin, il y a toute une interpénétration d'un environnement, du monde, de la nature dans le corps humain. Et je représente ces figures comme un peu l'humain au sens large, qui avec tout ce qu'il peut traverser et avec tout son comme s'il était dans son intériorité, en fait. Le fait aussi qu'il y ait très peu de regards, quand il y en a, il a de l'importance, mais la plupart du temps, il n'y en a pas, c'est comme si le personnage était... plonger en lui-même, en fait, dans son monde. Et j'ai... Enfin, disons que la création, l'édition que j'ai fait pour Xylophile, pour l'édition de Xylophile, c'est tout ce qui est en contrebas. Je suppose que vous avez tous un peu regardé l'expo. Et c'est aussi en vente à l'étage. Mais c'est aussi dans cette... c'est un peu le dernier travail que j'ai fait, que j'ai bien eu le temps de peaufiner, puisqu'il y a eu une année qui s'est passée entre
la plus d'une année qui s'est passée en, entre le moment où, où on devait commencer la, l'édition l'an dernier et cette année. Ce qui m'a permis vraiment de prendre le temps et de peaufiner les choses. Et je présente voilà, 6 images. Donc pour cette réalisation-là, je voudrais vraiment redire ce que tu as dit, mais remercier Timothy qui nous a invités dans son atelier avec Catherine, qui nous ont gâtés. Et qui, par son savoir-faire et sa patience, a vraiment permis qu'on imprime quelque chose d'une vraiment grande, grande qualité. Je pense que je n'ai jamais fait de si beau tirage. C'est vraiment... oui, non, je n'ai jamais eu un si bel objet final imprimé. C'est vraiment assez exceptionnel. Je suis assez contente. Alors, je voudrais aussi remercier la Minoterie qui nous ont... Vraiment, on a été bien accueillis avec beaucoup de gentillesse et d'ouverture. Tout a été possible pour installer. On nous a bien soutenus. Je voudrais remercier Claire, qui est là depuis le début de la semaine pour m'aider à installer. Et ça a été acrobatique. Voilà, c'est aussi grâce à toi que tout ça a pris cette forme. Ben, bravo, c'est... Claire. Voilà. Oui, je voulais, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui posent des questions sur la nature de l'image, de ces images qu'on voit, les couleurs, le rendu. En fait, ce sont des, tout ce qui est marron et noir, là, ce sont des gravures sur bois, imprimées sur papier craft, et ensuite collées sur toile. On dit aussi marouflé, sur mes cartels il y a écrit marouflé, donc parfois le terme n'est pas compris. Ça veut dire que c'est collé, tendu, ce qui fait qu'au final, ça a une impression d'un tableau. Mais c'est une estampe, c'est imprimé. Et j'ai choisi de l'imprimer sur du papier craft parce que je voulais qu'on retrouve l'effet bois. Parce que généralement, je trouve que les matrices gravées sont presque souvent plus belles que le tirage. Et parfois, il y a un petit peu on peut croire qu'il s'agit de la matrice elle-même, mais non, ce sont des tirages qui sont en petite série. Voilà pour ça. Et il y a aussi donc, une autre partie de l'expo dans la petite salle là-bas que j'ai appelée la salle de l'amour. Voilà, avec plutôt des couples, des étreintes. Ça, c'est la phase précédente du travail, où, qui m'a amenée progressivement à isoler des personnages et à les présenter dans leur unicité, dans quelque chose de beaucoup plus frontal. Et je pense que mes projets pour la suite, c'est vraiment de encore plus être dans la matière du visage et encore plus cadré serré.